Arratsaldeon, beraz, eta mil esker Lujama eta Euskal Herriko Laborantza Ganbarari eztabaida hauten antolatzeko. Beraz, azkena da, ziklo bat izan da Lujama edizio honetako, pakari buruz, pakaren negoziazioak, eta laborantza politika bati buruz, eta hor, aipatuko ditugu, beraz, lobbyak janariaren zat, eta laborantzan. Bonsoir et merci à Lujama et Euskal Herriko Laborantza Ganbara d'avoir donc organisé ce débat qui est le dernier d'une série qui avait été organisée à l'occasion de cette édition de Lujama, donc entre autres autour de la négociation pour la PAC et puis une proposition pour politique agricole et alimentaire dans le cadre de la réforme de la PAC. On parle des lobbies ce soir, des lobbies dans le cadre de l'alimentation, dans l'agriculture en général et dans le cadre de l'alimentation plus particulièrement. Avec nous donc Benoît Biteau, qui est écrivain, vous voyez son livre qui est devant lui, mais surtout agriculteur, paysan, conseiller régional Nouvelle-Aquitaine, et puis Loïc Prudhomme qui est député. Et qui a présidé la commission d'enquête parlementaire sur l'alimentation industrielle. Peut-être qu'on peut commencer avec vous, oui, qui a écrit un livre aussi, voilà. Et un rapport d'enquête parlementaire, voilà. Peut-être qu'on peut commencer avec vous, peut-être Loïc Prudhomme. Peut-être rebondir sur ce que vient de dire Corinne Lepage, qui est une ancienne ministre, qui a parlé du poids des lobbies. Elle dit que elle n'est pas contre les lobbies, hein, elle n'est pas pour la disparition des lobbies, mais que face à ces lobbies et au poids qu'ils représentent, au poids économique surtout, ben, il n'y a pas grand-chose en face, et surtout les règles du jeu, ce qu'elle nous dit, les règles du jeu sont faussées, parce qu'il y a trop de rapports incestueux entre la politique, les décideurs, et puis les lobbies, le pouvoir économique, et en matière d'information, en matière de prise de décision. Oui, alors c'est très intéressant ce que dit Corinne Lepage. Et la première chose, moi, que je voudrais préciser sur ce qu'elle a dit, c'est quand elle parle des lobbies et puis des représentants d'intérêts, et qu'elle fait la part des choses entre les lobbies qui sont des représentants d'intérêts particuliers et des ONG notamment, ou toutes sortes d'autres représentants d'intérêts qui représentent l'intérêt général. Et il me semble que là, c'est quand même le cœur du problème, parce que moi qui suis néo-député, je découvre ce mandat et je découvre aussi à quel point les intérêts particuliers, les représentants d'intérêts particuliers ont un travail vraiment important pour faire valoir justement leurs intérêts particuliers. Alors moi je me refuse à recevoir, contrairement à ce que dit Corinne Lepage, je suis un petit peu plus prudent. On ne peut pas échapper aux paroles qui portent, hein, ils sont suffisamment forts en communication pour que tout le monde les entende. Par contre, moi je me refuse de les recevoir, parce que je pense que ces gens sont très forts, ils ont des moyens, pas que financiers, ils savent aussi très bien manipuler les gens, faire des pressions, et la meilleure façon pour moi de s'en préserver, c'est de ne pas les rencontrer. Pour l'instant, moi c'est une ligne que je tiens. Et ça permet aussi de clarifier les choses, parce que j'ai remarqué qu'au fil de mon mandat, ça fait 18 mois maintenant, je suis de moins en moins sollicité. Et donc ça me facilite aussi grandement le travail, et je travaille d'une manière plus sereine. Par contre, je ne m'interdis pas, parce que c'est mon mandat de représenter l'intérêt général, je ne m'interdis pas de discuter avec les porteurs de l'intérêt général. Il me semble que c'est mon rôle d'élu de porter l'intérêt général. C'est même, il me semble, une définition de base. Donc ça, c'est, je pense, une précision vraiment importante. Et c'est d'autant plus important que régulièrement, si vous regardez les débats à l'Assemblée nationale, on présente des amendements, mon groupe présente des amendements, et on cite systématiquement
avec qui on a eu des discussions pour présenter ces amendements. Parce qu'on a beau être très brillants les uns les autres, ce que vous ne doutez pas bien sûr, vu le travail parlementaire qu'il y a à faire, on n'est pas expert en tout. Donc on a besoin de travailler avec ces gens-là et qu'ils nous expliquent un petit peu quelle est leur position pour défendre l'intérêt général. Et du coup, quand on se fait porteur d'amendements qui nous semblent intéressants pour l'intérêt général, on cite systématiquement les gens avec qui on a eu ces discussions, les porteurs de ces questions-là. Donc ça peut être la FNE, pour parler d'Asso, Oxfam, toutes ces sortes d'associations, Génération Future. Voilà, donc il y a vraiment pour nous une transparence importante là-dessus. Et donc du coup, les députés d'opposition nous disent « Mais vous voyez, vous aussi, vous êtes sensible aux lobbies. » C'est-à-dire qu'ils font cette confusion de personnes qui œuvrent pour des intérêts particuliers et des intérêts financiers avec les personnes qui œuvrent pour l'intérêt général. Et je pense que c'est une clarification qui est vraiment essentielle à avoir dans les discussions qu'on va pouvoir avoir ce soir. Donc ça, c'était la première chose que je voulais préciser. Alors, on parle des lobbies en général, là. Benoît Biteau, de quoi on parle quand on parle des lobbies alimentaires? Quand on a un peu préparé cette réunion de ce soir, vous disiez que vous y avez été confronté ici, vous étiez descendu pour parler du problème de l'eau, de l'irrigation. Vous êtes aussi agriculteur. Qui est derrière ces lobbies? Parce qu'on a l'impression que c'est une espèce de nébuleuse de mer noire, mais il y a quand même des personnes et des organismes. De quoi on parle quand on parle de lobbies alimentaires? Tout simplement ceux qui ont intérêt à ce qu'on ne change rien, ou en tout cas que les politiques publiques, la législation, les règlements soient orientés dans le sens de leur business, hein, puisque c'est ça l'intérêt des lobbies qui sont extrêmement puissants, extrêmement financés, et qui ont des gros moyens de communication que moi j'appelle plutôt de propagande, parce que justement ces gens-là, pour préserver leur fonds de commerce, on va dire ça comme ça, utilisent donc des moyens élevés et la fin justifie les moyens, quoi, et donc n'hésite pas à aller très très loin. Pour compléter ce que dit Corinne Lepage et peut-être pour amplifier ce que dit Loïc et faire référence non pas à la vidéo de Corinne Lepage mais à la première vidéo. Un des moyens de juguler ces lobbies, c'est bien sûr éviter de les recevoir plus que ça ne le mérite, parce qu'ils sont dans des intérêts particuliers, donc ils cherchent à orienter les politiques publiques dans des logiques corporatives, dans des logiques clientélistes, et ce qui est dommage, c'est que les élus y prêtent oreille et puissent relayer ces logiques-là. Et sur le sujet de l'alimentation et de l'agriculture, l'enjeu, et c'est ce que fait EAHLB ici dans le Pays Basque, c'est de replacer l'agriculture dans un véritable débat de société. C'est-à-dire que quand on a affaire à une activité qui, on parle de nourriture, et Loïc en parle dans le rapport qu'il a porté dans sa mission, dans son travail parlementaire, la principale vocation de l'agriculture, c'est d'alimenter nos concitoyens. Mais au-delà de cette dimension alimentaire, donc de production de nourriture, l'agriculture est aussi une activité qu'on ne pose pas au milieu de nulle part. Et la référence territoriale de cette petite vidéo est remarquable. C'est-à-dire que quand une activité occupe entre 50 et 70% des territoires, quand une activité comme l'agriculture, et ça m'amène sur l'eau, est capable de prélever 80% de la ressource en eau douce en été, on voit bien que, par exemple, hein, parce que des exemples, il y en a plein, on a parlé des impacts sur les territoires, on a parlé des impacts sur l'eau, on peut aussi parler des impacts sur les biodiversités, sauvages et domestiques, et c'est dans la vidéo de HLB que je trouve émouvante, elle est vraiment très belle cette vidéo, impact le climat, c'est un vrai sujet, impact la santé. On ne peut plus confiner ce débat. Alors vous avez dit tout à l'heure un débat, je ne sais plus comment vous l'avez appelé, moi je dis que c'est un débat consanguin dans cette sphère incestueux, voilà, donc on rejoint un peu le vocabulaire, dans cette sphère agricolo-agricole. Eh bien, on doit sortir de cette logique-là, replacer le débat agricole dans un véritable débat de société par rapport à tous ces enjeux-là. Et là, déjà, quand on fait ça, on a les moyens de faire reculer un peu le poids des lobbies, c'est-à-dire qu'on a une société qui s'occupe de ce qui la regarde, c'est-à-dire de ce qu'elle met dans son assiette, mais aussi travaille sur d'autres enjeux qui sont des enjeux fondamentaux pour l'avenir des générations futures. Et sur l'eau, c'est la loi qui le dit, hein, la loi sur l'eau dit dans son premier article, l'eau est un bien commun, eh bien, je le disais tout à l'heure, on a affaire à une profession agricole pilotée par la FNSEA, enfin, moi, je...
Ceux qui me connaissent savent que j'en vois pas faire dire et que je pointe directement qui il faut pointer. FNSEA qui, dans son système tentaculaire, verrouille les banques comme le Crédit Agricole, verrouille la SAFER sur les aspects fonciers, verrouille les chambres d'agriculture, verrouille la MSA, la Mutualité Sociale Agricole. Donc on voit bien qu'ils sont présents à tous les étages et que ce verrouillage leur permet justement d'être extrêmement efficace en termes de lobby et leur permet de pouvoir préempter, confisquer une ressource qui, dans son article, dans le premier article de la loi sur l'eau, nous explique que on a affaire à un bien commun. Et c'est ce qui se passe malheureusement en Poitou-Charentes. Alors comptez pas sur moi pour remettre en cause l'intérêt de l'irrigation, puisque beaucoup de productions ont besoin d'eau pour pousser, je pense aux fruits, aux légumes. D'autres acteurs ont besoin d'eau pour l'autonomie alimentaire de leur élevage. Le sujet, c'est sur notre territoire en tout cas, qui justifie cette confiscation d'une ressource qui est un bien commun, c'est la production de maïs qui finit sur le quai du port de la Palisse à La Rochelle pour entrer dans une économie mondialiste. Et là, encore une fois, se poser la question et refaire le lien avec les lobbies, à qui profite cette économie-là? Est-ce que ça profite au territoire? Non, parce que ça les dévaste. 3000 km de cours d'eau à sec chaque année. Est-ce que ça profite à la biodiversité? Non. Est-ce que ça profite à une bonne gestion de la ressource en eau avec une autre activité emblématique sur notre territoire qui s'appelle l'huître de Marennes-Oléron et qui est en train de disparaître à cause de la production de maïs grain? Et c'est pas en faisant des trous de 7 mètres de profondeur, en montant des digues de 7 mètres de haut, en tendant des bâches au fond et en remplissant ces équipements avec des forages, vous avez bien entendu, avec des forages, le tout financé par 70% d'argent public, qu'on va préserver les activités ostréicoles à l'estuaire de la Seudre ou à l'estuaire de la Charente. Donc on voit bien que c'est un désastre colossal et les lobbies réussissent pourtant à faire ou à convaincre les décideurs publics de la bonne solution autour de ces logiques-là. Et encore une fois, le sujet, c'est pas irrigation ou pas irrigation, c'est est-ce que quand on utilise l'eau, on doit continuer d'utiliser pour produire du maïs, alors qu'on a des alternatives au maïs imaginées par les mêmes, des lobbyistes, qui sont les semenciers, des firmes comme Pionnier, des firmes comme Maïs Adour, comme Cop de Pau, enfin on se rapproche un peu du Pays Basque, Lurberry, voilà, ça y est, je le dis. on voit bien que ces gens-là ont intérêt avec ces équipements-là, mais l'intérêt commun dont a parlé Loïc n'est pas au rendez-vous et on confisque un bien commun pour servir l'intérêt privé de quelques-uns. En sachant, et je conclue là-dessus, qu'il y a une alternative au maïs qui s'appelle le maïs population. C'est-à-dire que ce maïs-là pousse sans aucun besoin d'irrigation. Donc se demander, et c'est là où Corinne Lepage a raison quand elle dit qu'il faut, organiser les réponses aux lobbyistes, c'est-à-dire que quand les lobbyistes nous disent « il nous faut absolument ces retenues de substitution qui coûtent horriblement cher et qui n'apportent aucune réponse », il faut la possibilité d'un contre-lobby qui dise « mais attendez, nous, on a une alternative au maïs irrigué imaginé par Pionnier et compagnie, ça s'appelle le maïs population, pas besoin d'une goutte d'eau pour faire pousser ce maïs-là ». Et après, c'est effectivement le modèle agricole adossé, c'est-à-dire un modèle, l'autre maïs pousse avec, bien sûr, des semences certifiées, mais aussi des recours aux pesticides dans des proportions délirantes et du recours aux engrais de synthèse. Donc on voit bien, c'est manichéen, d'un côté il y a un cercle vicieux et un côté un cercle vertueux. Donc voilà, ça pouvait être une première partie de ma réponse. Loïc Prudhomme, vous avez dit que vous refusez de recevoir les lobbies, vous refusez leur information, pourtant... vous ne savez pas tout, hein. Vous êtes un député, vous l'avez dit, vous commencez votre mandat, c'est extrêmement compliqué comme débat. Il y en a un qui vient d'avoir lieu ou qui est toujours en cours sur les glyphosates. Déjà, il n'y a pas grand monde qui sait ce qu'est un glyphosate à la base. Il faut arriver à se saisir de ces questions, les comprendre pour pouvoir les traiter. Donc comment vous faites pour pouvoir traiter ces questions, pour vous faire une réponse, et comment vous expliquez que... Ben, ces lobbies, finalement, ils arrivent à passer par-dessus vous parce que, finalement, on voit arriver à l'Assemblée nationale des textes qui sont votés, qui sont écrits mot pour mot par des entreprises privées et qui sont votés à la majorité. Alors, bonne question. Je refuse de les recevoir, mais pour autant, de l'information, on en dispose. La littérature scientifique existe. La recherche publique, même si je vais en reparler en reparlant de l'EFSA, produit des choses.
j'ai aussi la chance de ne pas être tombé de l'arbre. Lève ça juste, Corinne, pas j'en ai parlé. Oui, aussi, c'est l'Agence de sécurité, alimentaire européenne. J'ai la chance de connaître un petit peu ces sujets aussi agronomiques par mon métier antérieur à mon mandat. Donc j'ai une idée quand même un petit peu précise pour ceux qui ne savent pas. Je travaillais à l'INRA, j'étais technicien à l'INRA avant d'être député. Donc ça m'aide aussi à décrypter ces questions-là. Il faut quand même savoir, parce que on parle de lobby, mais moi je voudrais que sur, en tout cas l'agroalimentaire, vous sachiez bien ce que ça représente en termes de puissance. Quand je vous dis ces gens-là, les moyens, c'est du chantage à l'emploi déjà, puisqu'ils arrivent auprès des décideurs publics et leur disent « oui, mais si vous nous mettez des cadres législatifs un peu trop contraints, nous, on pèse, alors pour l'industrie agroalimentaire, 500 000 emplois et un chiffre d'affaires de 187 milliards d'euros ». Donc c'est 6 ou 7 fois le PIB de l'Islande, pour vous donner une petite idée. Donc voilà, c'est des gens qui ont vraiment des moyens extraordinaires pour faire la propagande dont parlait Benoît. Donc voilà, il faut savoir de quoi il retourne, en fait, hein, quand on a affaire à ces gens-là. Pour autant, l'information, oui, on l'a. La question, c'est comment ils arrivent à convaincre, effectivement, les décideurs politiques, et comment on se retrouve cette année sur la loi agriculture-alimentation avec un amendement qui permettait l'épandage de pesticides par drone, alors qu'il est interdit par moyen aérien, et qu'on a retrouvé plus de 50 députés qui ont recopié cet amendement mot pour mot. Voilà la question qu'il faut se poser. Et pourquoi les députés... Vous avez une réponse ? Et j'en ai plusieurs, je ne sais pas quelle est la bonne, mais sans doute ce poids économique qu'ils tentent de faire peser, mais il va falloir le relativiser aussi, et on va en reparler. Mais il y a ça, il y a peut-être une part de fainéantise de ces députés, ou en tout cas, ça serait l'explication, j'allais dire, la plus sympathique, mais je pense que beaucoup sont inféodés aussi aux intérêts financiers qui sont représentés et aux lobbies dont on parle. Voilà, parce qu'en termes d'emploi, ils ont aussi cette puissance-là de dire « nous, on représente 500 000 emplois ». Juste qu'on le voit aussi par les alternatives que propose ici HLG, et nous, c'est le modèle qu'on aimerait généraliser, enfin, en tout cas, moi, c'est celui que je défends, ça devrait être partout comme ça, l'agriculture, une agriculture paysanne et locale. Parce qu'en termes d'emploi, je veux dire, l'agro-industrie l'agriculture industrielle, elle peut se rhabiller, elle ne peut pas faire le poids. Aujourd'hui, ce modèle-là nous a fait perdre en 10 ans 350 000 emplois agricoles. Un modèle d'agriculture paysanne, hormis, moi, ce qui m'importe, c'est avec cette casquette-là que je parle ce soir, c'est hormis que ça va produire une alimentation saine pour l'ensemble de la population, ça va créer aussi énormément d'emplois. Donc il faut arriver à sortir de ces logiques-là. Et le problème, c'est de penser autrement que dans ces cadres dans lesquels on nous enferme depuis maintenant presque plus d'un demi-siècle. Ça date, en fait, ce modèle qui nous amène dans cette agriculture industrielle et dans cette malbouffe, c'est le modèle qui a prévalu à la création de l'INRA notamment, où il fallait produire aux sorties de la guerre pour nourrir la population. Sauf que 10 ans après, le contrat était rempli, mais qu'on a continué dans l'agriculture industrielle pour aller charger des bateaux sur les quais de La Rochelle. Ou de, je ne sais plus quelle porte tu citais, c'est celui-là, et de Cherbourg et d'autres. Donc voilà, aujourd'hui, ça n'a plus de sens de continuer ça n'a plus de sens économique, et puis surtout au niveau environnemental et sanitaire, c'est une catastrophe absolue. Donc ça, on va peut-être pouvoir en rediscuter, mais je pense qu'il faut aussi pointer le lien entre ce modèle-là, et en plus, nous, on a une particularité française, en plus d'avoir ce modèle industriel et ce modèle d'agro-industrie qui est mondialisé aujourd'hui, qui s'étend sur la planète entière, c'est que nous, on a doublé ça par l'invention des grandes surfaces. Parce que dans le monde agroalimentaire et agricole maintenant, il va falloir aussi qu'on parle de la grande distribution. Parce que on a inventé ça, on a mieux fait de se casser une jambe ce jour-là, en France, on a inventé la grande distribution. Aujourd'hui, c'est 5 plateformes qui ont la main mise sur l'ensemble de la distribution alimentaire sur le territoire. Et quand vous savez que, alors, on est tous fervents défenseurs, des AMAP, des circuits courts, des coopératives paysannes. Sauf que factuellement, aujourd'hui, 80% de la population fait ses courses dans les grandes surfaces. Donc ça pose aussi un réel problème de concentration, de pouvoir financier, et avec ce pouvoir-là, vous pouvez contraindre beaucoup de choses. Vous pouvez contraindre les agriculteurs, parce que comme la promesse de la grande distribution, c'est de produire toujours moins cher,
sans cesse, promotion sur promotion, jour après jour, semaine après semaine. La promesse qu'on nous fait, c'est que ça sera toujours moins cher la semaine prochaine. Donc, pour pouvoir remplir cette promesse, c'est une contrainte forte sur l'agro-industrie, mais aussi sur le monde paysan. Et donc, il y a aussi une captation de la valeur. Et donc, quand vous avez ce poids-là, vous pouvez avoir cette contrainte-là sur la production. Et on en discutait récemment avec Benoît aussi. Ils arrivent même aussi à avoir maintenant la main sur le foncier. La grande distribution est en train de prendre la main sur notre foncier agricole. Donc, en termes de lobby, voilà, il faut aussi étendre ça à cette part des acteurs socio-économiques. Alors, vous nous dites leur poids économique est à relativiser, et puis il faut penser autrement. Vous, Benoît Buteau, dans votre ancienne région, vous aviez décidé de ne plus financer les chambres d'agriculture, par exemple. Est-ce que c'est juste ça, juste avoir du courage politique, ou bien c'est quand même pas aussi caricatural, pas aussi simple que ça? Si, ne plus financer les chambres d'agriculture, qui sont quand même des chambres consulaires et qui se revendiquent légitimes pour parler de l'agriculture, c'est d'abord de l'audace et du courage politique. Alors, moi, j'étais vice-président en charge des questions agricoles, j'étais bien sûr en première ligne, mais c'est possible parce que j'avais un exécutif à côté de moi, ou devant moi, puisque la présidente, vous la connaissez tous, hein, elle revient un peu sur le devant de la scène ces derniers jours, mais elle avait au moins ce courage-là. C'est-à-dire Ségolène Royal ? Oui, bien sûr. Elle avait au moins ce courage-là, c'est-à-dire que d'abord, quand elle est venue me chercher pour envisager cette hypothèse que je devienne vice-président en charge de la ruralité, l'agriculture, la pêche et les cultures marines, c'était bien sûr dans l'hypothèse de ne pas caresser la FNSEA dans le sens du poil. Il s'avère qu'on se connaissait depuis longtemps, parce que dans une autre vie, j'étais fonctionnaire et c'était la présidente de la structure qui m'employait, et qu'elle savait un peu comment je fonctionnais. Et que j'étais pas, je peux être un peu rugueux, ça c'est clair, mais je suis toujours rugueux, et Loïc l'a dit, dans un état d'esprit qui sert l'intérêt commun. C'est-à-dire que moi, les politiques publiques, les fonds publics engagés pour servir des intérêts privés, c'est pas mes convictions. Et donc c'est pour ça qu'elle est venue me chercher. Et pour l'anecdote, je lui ai dit, si tu viens me chercher pour trouver un vice-président qui parle d'agriculture et qui va accepter de pactiser avec la FNSEA, tu peux passer ton chemin. Elle m'a dit, mais non, je viens de chercher exactement pour l'inverse. Et après, elle connaissait ma façon de travailler, c'est-à-dire que quand on arrive avec un problème, en général, quand je m'approche d'elle, c'est que j'ai un début d'embryon de solution. Et là, quand effectivement la Chambre d'agriculture vient avec un projet qui est à peu près exactement aux antipodes du projet agricole sur lequel on est élu, je lui dis, on fait quoi? Et là, la réponse, elle me dit, comme elle me connaît bien, elle me dit, qu'est-ce que tu proposes? Et bien, je dis, je propose que le 1,5 million qu'on mettait sur les chambres d'agriculture, on le mette sur un réseau de développement agricole alternatif, 1,5 million d'euros. On peut faire 2-3 trucs avec ça, quand même, par an. Donc on a mis 1,6 million sur... Je vois François qui a vécu l'aventure avec nous, au fond de la salle. On a mis cet argent-là sur le développement d'un autre réseau qui s'appelle l'Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale. Vous voyez bien le poids qu'on a mis dans ce réseau-là de replacement de l'agriculture dans un véritable débat de société. Et c'est ce que vous faites ici dans le Pays Basque avec brio. On n'a pas réussi à aller aussi loin que vous, mais c'était déjà quelque chose qui allait dans le même sens, à peu près à la même époque. Donc c'est à peu près au même moment que tout ça est né. Après, une fois qu'on a fait ça, la partie n'est pas forcément gagnée. C'est-à-dire qu'effectivement, on a replacé le débat agricole dans un débat de société. Les décisions des politiques publiques étaient prises avec la société civile. Sauf que quand on est élu, on ne l'est que pour un certain temps. Et quand en 2015, la région Nouvelle-Aquitaine naît, enfin en 2016 plutôt, et que la région Poitou-Charentes disparaît en 2015, donc avec une nouvelle mandature, j'aime autant vous dire que mes collègues de la FNSEA, ils m'ont soigné hein, pour que je ne sois pas vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine. Ils ont fait le boulot. Hein. Et là, on peut parler de lobby, c'est-à-dire que moi, ces gens-là vont être jusqu'à faire des faiseurs de rois. Enfin, faut que vous mesuriez ça, et à tous les échelons de la politique, y compris au niveau de la présidence de la République. Enfin, et comptez pas sur moi pour tomber dans des dérives paranoïaques ou complotistes, mais ces gens-là ont la puissance de feu pour proposer des faiseurs de rois. Et donc, effectivement, malgré un accord politique, parce que je suis le président de région Nouvelle-Aquitaine et réputé être encarté au PS...
Moi, je ne suis pas au PS, donc dans un accord politique, vous allez dire que c'est de la cuisine électorale, mais c'est quand même comme ça que ça marche. Si j'avais été au PS, moi, de toute façon, il avait la main sur ma candidature, j'aurais jamais pu être candidat sur la liste de ce président-là. Il a fallu que je sois dans une autre formation politique pour que, dans un accord entre plusieurs formations politiques, je puisse accéder à cette liste, parce qu'il avait envie de rassembler à gauche. Enfin bon, je vous passe... sauf que dans l'accord, je devais être vice-président de l'agriculture et qu'au dernier moment, sous le poids des lobbies, piloté par la FNSEA, je ne suis pas vice-président de cette région. Je ne suis pas président de cette région. Et c'est pour ça que je parle de faiseur de roi. Et donc toutes les politiques vertueuses qu'on avait réussi à mettre à tricoter année après année en région Poitou-Charentes avec mon collègue Serge Morin... j'ai une pensée pour lui parce qu'il a été, enfin, qui est un bon copain, hein, qui va bien, mais qui quand même a été un des acteurs forts de ce développement. Et tous mes copains paysans qui sont pour certains en bas, parce qu'on a une délégation de Poitou-Charentes d'une cinquantaine de personnes aujourd'hui, qui étaient là à accompagner les élus. Je suis un peu désolé de faire le constat qu'au moment où émerge cette grande région, et je suis conseiller régional, vous avez pensé que je crache dans la soupe, mais à un moment donné, il faut aussi regarder les choses avec un peu d'objectivité. On est sur une région qui est en train de détricoter tout ça. Et les quatre chambres d'agriculture de Poitou-Charentes, Charente-Maritime, de Sèvres et Vienne, trouvent à nouveau des financements régionaux. Et le réseau Impact qu'on avait réussi à faire naître est en grave difficulté, a commencé à licencier du personnel parce que le relais qu'on avait trouvé et l'écoute qui était possible en région... Poitou-Charentes n'est plus tout à fait la même en région Nouvelle-Aquitaine. Et on voit bien revenir des financements sous le poids du lobby de la FNSEA. Et voilà, le vice-président de l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine est juste un ancien président de chambre d'agriculture, celle de Dordogne, et un adhérent historique de la FNSEA. Donc on voit bien que même en y mettant beaucoup d'énergie, la puissance de frappe de ces gens-là est redoutable et sont potentiellement des faiseurs de rois. Moi, je dis ça comme ça. Et donc, après, bah, c'est des désastres et des reculs sévères. Donc, même quand on a l'impression d'avoir gagné une bagarre, sans vouloir plomber l'ambiance, on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation. Voilà, je dis souvent qu'il faut aussi savoir s'occuper de politique, pour être le contrepoids de ses lobbies, et que si la politique, on s'en occupe pas, elle s'occupe de nous. Et c'est pas toujours dans le bon sens. Et donc, voilà, il faut savoir rester vigilant, mobilisé, pour que ces lobbies fassent le moins de désastres possible. Et la ligne de partage, c'est toujours la même, c'est l'intérêt commun. Je peux répondre à la non-question, si vous voulez. Mais... Je peux répondre. J'avais pas dit truanderie. Moi, quand j'ai présenté mon rapport d'information, que je vous encourage à aller regarder sur le site de l'Assemblée nationale, il porte le numéro 1266, j'ai qualifié en conférence de presse ce que j'avais constaté comme une association de malfaiteurs. Bon, quand on a dit ça, je pense qu'on voit un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, truanderie, oui, j'aurais pu reprendre ce mot à mon compte. Il faut parler effectivement de l'EFSA et de qui prend les décisions, notamment sur cette question de l'alimentation. Il y a deux choses. D'abord, ces lobbyistes, donc on peut les nommer, il y a l'ANIA, moi je les ai auditionnés, ils m'ont raconté plein de belles choses, ils ont commencé par dénigrer les études scientifiques que je leur opposais. L'ANIA, c'est le syndicat des représentants des industries de l'agroalimentaire. Je leur ai dit, mais ok, très bien, vous dénigrez, ça me rappelle étrangement les méthodes des lobbyistes du tabac. Donc ils n'ont pas aimé que je leur réponde ça, je ne sais pas pourquoi, vous avez sans doute la même référence que moi. On sait quel a été le travail des lobbyistes pour dénigrer les études. C'est la même chose que l'on voit sur les Monsanto Papers, on parlait de glyphosate tout à l'heure, de la même manière que tout a été fait pour discréditer toutes les études scientifiques qui pointaient les problèmes de cancérogénicité du glyphosate. Et ça m'amène à parler de l'EFSA, et effectivement, et de comment fonctionnent les autorisations de mise sur le marché de toutes ces molécules. Les additifs alimentaires, c'est 338 additifs qui sont autorisés, dont les fameux nitrites qui sont mauvais, mais il y en a beaucoup, des cancérogènes, des perturbateurs endocriniens, des neurotoxiques, il y en a une palanquée. Ils sont autorisés. Pourquoi ils sont autorisés? Parce qu'aujourd'hui, l'EFSA évalue la dangerosité de ces molécules sur des dossiers qui sont soumis
par les industriels qui veulent obtenir l'autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec un dossier, avec leurs études scientifiques, faites sur des populations de rongeurs, sur une homologation pour un type d'aliment, une dose. Donc il y a un dossier épais comme ça, et puis il en arrive des centaines et des centaines. Et donc au regard de ces études, les gens de l'EFSA essayent d'évaluer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et donc c'est pour ça que dans les rapports de l'EFSA, on trouve des références à l'industrie agroalimentaire, puisque c'est les seuls qui fournissent des références, donc, ou quasiment. Aujourd'hui, c'est quasiment ça. Donc on a des pétitionnaires qui font les dossiers avec les études scientifiques, et quid de la contre-expertise? C'est la question moi, que j'ai posée à l'EFSA, parce que je m'y suis rendu, pour voir un petit peu comment ils fonctionnaient. Et alors ils sont en train de réévaluer ces additifs, ok, très bien, ils vont les revoir un par un, lequel sera autorisé dans la mousse au chocolat, lequel sera autorisé dans le jambon, ou je ne sais quoi. Mais j'aurais posé la question des effets cocktails aussi. Ça c'est quelque chose qui est important à mettre sur la table. Aujourd'hui, vous n'avez pas dans l'alimentation industrielle et ultra transformée, on pourra en discuter longuement, qui sont ces aliments qui sont recomposés à partir de choses qui n'ont rien de produit brut, mais qui sont des éléments agglomérés, et pour qu'ils aient un goût, une couleur et une texture, et ils sont souvent blindés de 5, 6 ou 10 additifs, on en a trouvé jusqu'à 30. L'EFSA, aujourd'hui, n'est pas en capacité matérielle d'évaluer les effets cocktails pour ces additifs. Donc on continue à les autoriser, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas... Enfin, ça ne sera jamais le cas, d'ailleurs. On pourra jamais, si vous faites 338, pour les plus mathématiciens d'entre vous, ou les plus matheux, 338 additifs, si vous prenez des cocktails de 5 et que vous regardez le nombre de possibilités d'avoir 5 additifs différents au sein des 338, il y a 41 milliards de possibilités. Donc avant qu'ils aient étudié les 41 milliards, on sera tous morts depuis plusieurs siècles, et donc on n'y arrivera jamais. Donc ça veut dire que c'est des décisions politiques qui doivent interdire tous ces additifs controversés. Mais ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, comment fonctionne l'EFSA et comment fonctionne cette réglementation et ces directives européennes, c'est que c'est à la puissance publique de faire une preuve d'innocuité. Mais on n'a pas les moyens. La recherche publique, c'est pas nous qui faisons... Enfin, je vous ai dit, les pétitionnaires fournissent des études scientifiques. Et les pauvres chercheurs qui travaillent sur les perturbateurs endocriniens, il doit y en avoir 3 en France, je ne sais pas combien en Europe. On n'a pas les moyens, à chaque fois, de fournir une contre-expertise. Et tant qu'on ne change pas le mécanisme d'autorisation de mise sur le marché pour se rapprocher de ce qui est fait, par exemple, c'est pas parfait, mais dans l'industrie pharmaceutique, où il doit y avoir une preuve formelle d'innocuité, on va se retrouver toujours avec des additifs qui sont autorisés sur la base d'études scientifiques qui sont fournies par les industriels eux-mêmes. Donc il y a une vraie question sur le rôle de l'EFSA. Et on se trouve aujourd'hui à courir derrière toujours l'EFSA et les industriels pour essayer de faire interdire des produits. Donc ça, c'est une vraie problématique de cet échelon d'homologation des additifs. Et pour terminer aussi sur la façon dont agissent ces lobbyistes et ces gens-là, et pourquoi aujourd'hui rien ne bouge. Ils nous disent, les yeux dans les yeux, moi je respecte parfaitement le cadre législatif européen aujourd'hui. Je suis encore heureux que vous ne venez pas devant une commission d'enquête pour nous dire qu'on est des brigands. Ils pourraient, hein, parce qu'il y en a qui le sont. Ils respectent un cadre qui est aujourd'hui tout à leur faveur. Ils évoluent dans un cadre législatif qui est très vague, très flou, qui n'est pas contraignant du tout, en tout cas, pas pour nous amener vers une agriculture ou une alimentation plus saine. Donc, ils se satisfont de ça, et puis quand ils rencontrent des décideurs politiques, ceux qui veulent bien les rencontrer, ils leur disent « Laissez-nous faire, nous on a l'expertise économique, l'expertise technique, si vous interdisez telle molécule, on va pouvoir faire, les durées de consommation seront réduites, vous ne pourrez pas garder les produits dans vos placards, etc. etc. » Et laissez-nous faire, on vous promet, on va faire mieux. C'est ce qu'on appelle la politique des engagements volontaires, et ça fait presque 20 ans que ça dure, où les politiques, sous prétexte de ne pas amener une contrainte qui pourrait poser des difficultés économiques à ces grands acteurs, je vous ai rappelé le poids financier qu'ils pèsent et en termes d'emploi, disent des engagements volontaires, ok, on vous fait confiance. Et on sait, il y a des études, hein, pour le coup, des économistes ont vu, les engagements volontaires, ça ne marche pas pour autant. Stéphane Travers, à qui je posais la question en audition, feu ministre de l'Agriculture, mais le suivant est du même tonneau, me disait les engagements volontaires. Je lui dis, mais ça fait 20 ans que ça ne marche pas. Oui, mais ce n'est pas grave, on va en faire des engagements volontaires renouvelés. C'est-à-dire que maintenant, on va être plus exigeant et on va donner une trajectoire aux industriels. Et puis, s'ils n'atteignent pas les objectifs qu'on leur fixe,
on va faire du name and shame. Pardonnez-moi pour l'anglicisme, je ne sais pas comment on le dit en basque, mais en gros, c'est les nommer pour leur faire honte et en espérant que ça change leur pratique. Et ça, c'est au pays des bisounours, hein, ça ne marche pas. Moi, dans mon rapport, le seul truc que j'ai dit, c'est que si on n'a pas une contrainte législative, et c'est mon rôle politique pour l'intérêt général, si on ne met pas des contraintes en disant il faut abaisser le nombre d'additifs, il faut avoir une production agricole et alimentaire saine, vous pouvez être sûr que pendant 2 siècles, on va continuer sur le même chemin. Donc voilà un petit peu pour l'EFSA et l'histoire de comment ça fonctionne et comment ils ont la main aussi sur tout ce cadre législatif. Juste pour finir de détrier l'EFSA définitivement, le sujet des pesticides, c'est le même. C'est le même sujet que ce que vient d'expliquer Loïc. On a évoqué rapidement le glyphosate. C'est des règles d'autorisation de mise en marché et d'homologation qui sont purement scandaleuses, où l'effet cocktail n'est jamais évalué, où les métabolites de décomposition ne sont jamais évalués, ils ne sont pas évalués sur le milieu marin. Aujourd'hui, je suis délégué à la mer, je vous ai parlé de l'ostréiculture tout à l'heure. Sur le glyphosate, par exemple, les métabolites de décomposition du glyphosate, quand ils arrivent en mer, sont à l'origine de mortalité de coquillages qui sont juste un grand désastre. Et pour continuer à utiliser du glyphosate, on accepte que 90% des coquillages qui poussent normalement en marais oléron soient détruits. Enfin, c'est ça la vérité. Et tout ça parce que on a une agence sanitaire officielle qui autorise la mise en marché de molécules dont les dossiers sont réalisés par le pétitionnaire. Et quand on a le bonheur d'avoir une étude indépendante comme celle de Gilles-Éric Serralini, moi je suis administrateur du CRIGEN avec Corinne Lepage, ces mêmes lobbyistes défoncent ces études-là, ces études-là font la démonstration dans la durée en plus de la dangerosité de ces produits-là. Pour vous donner un exemple, les perturbateurs endocriniens sont évalués sur les doses à partir desquelles ils deviennent toxiques. Sauf que les perturbateurs endocriniens sont très toxiques à faible dose. Et que la particularité des perturbateurs endocriniens, c'est pas la dose d'exposition qui fait la dangerosité, mais l'exposition, quelle que soit la dose. À aucun moment, les études et la demande de l'EFSA fait l'évaluation des perturbateurs endocriniens sur cette donnée-là, qui est avérée et qui fait la démonstration qu'aujourd'hui, continuer avec les perturbateurs endocriniens et les homologations de ces perturbateurs endocriniens avec ces logiques de ce qu'on appelle la dose létale 50%, c'est juste complètement inopérant. Et on met en grave danger toutes les populations qui sont exposées à ces perturbateurs endocriniens. Après, effectivement, toujours sur ces lobbies, ils influent lourdement sur les politiques publiques. Alors, chantage à l'emploi, chantage à l'économie, bien entendu, sauf que des alternatives existent et je ne peux pas m'empêcher de faire un petit volet sur la PAC, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on met 10 milliards d'euros sur la politique agricole commune pour accompagner les agriculteurs, ces 10 milliards d'euros soutiennent majoritairement le modèle agricole le plus désastreux sur les équilibres territoriaux, sur les ressources en eau, sur les biodiversités, sur le climat, sur la santé, et c'est pourtant ceux-là qui perçoivent les 10 milliards d'euros. Et ils les perçoivent en temps et en heure, ça me permet de faire un petit clin d'œil au versement des aides pour les agriculteurs bio, ou ceux qui élèvent des races menacées, ou ceux qui entretiennent des espaces patrimoniaux remarquables, ou ceux qui hier touchaient l'indemnité compensatoire au handicap naturel et qui se sont vus supprimer les zones défavorisées simples et donc ont vu disparaître ces volets-là. En plus, quand on est engagé dans ces logiques-là, on doit attendre 2 ou 3 ans le versement des aides. Donc on voit bien encore une fois qu'il y a un lobby qui fait tout pour que ceux qui sont dans les logiques les plus désastreuses touchent leurs aides jusqu'au dernier centime au 31 décembre de chaque année, et que ceux qui font de l'agriculture biologique, par exemple, doivent attendre, certains viennent juste d'être payés de leurs aides 2015. Et ça, avec la complicité de l'État. Et donc ça, c'est le premier volet, et donc ça, c'est les politiques publiques, c'est-à-dire que si demain, on disait, dans le cadre de la distribution de la PAC, on pose comme règle de réciprocité, on continue de vous donner les 10 milliards d'euros, mais vous respectez ces enjeux fondamentaux qui servent l'intérêt commun, déjà, on aurait des réponses un peu plus intéressantes. Sauf que ces logiques-là nécessitent que
on fasse recours, qu'on ait recours ou qu'on fasse référence à l'agronomie et donc on n'ait plus besoin des engrais de synthèse, des pesticides, des semences certifiées, et que donc derrière on met en difficulté ce modèle économique-là. Des gens comme moi sont dangereux pour ces gens-là parce que aujourd'hui je suis autonome, je n'achète plus de semences certifiées, je n'achète plus d'engrais de synthèse, je n'achète plus de pesticides et je produis au moins autant que ceux qui les utilisent. Donc un type comme moi, extrêmement dangereux, en faisant la démonstration qu'avec de l'agronomie, on fait autrement. Sauf que ces gens-là sont là à la manœuvre pour continuer de dire « mais vous ne pouvez pas mettre en péril notre économie et les emplois qu'on porte ». Sauf que cette économie-là, ces emplois-là, peuvent être facilement reconvertis dans un modèle agricole qui est aussi créateur d'emplois. Et on peut créer des politiques publiques qui soient des véritables politiques de l'emploi. Et si mes souvenirs sont bons, on est dans un pays où on aurait vraiment besoin d'une politique de l'emploi, avec en plus une population de plus en plus nombreuse qui aspire au retour à la terre. Donc des réponses existent. Mais le scandale est encore plus fort quand on regarde les coûts externalisés de ce modèle agricole-là. Je vous ai parlé d'eau tout à l'heure. Sur l'eau, par exemple, on a un rapport de la Cour des comptes qui nous explique que pour nettoyer l'eau souillée par le modèle agricole qui a touché les 10 milliards d'euros de la PAC, il faut engager entre 54 et 91 milliards d'euros chaque année de vos impôts, messieurs, dames, pour que l'eau redevienne potable. C'est-à-dire qu'on a mis 10 milliards d'euros dans la caisse pour soutenir un modèle agricole qui souille l'eau, et derrière, on utilise encore de l'argent public pour réparer la ressource qui a été souillée par ces gens-là. C'est entre 5 et 9 fois la PAC, entre 54 et 91 milliards d'euros. Est-ce que vous mesurez tout ça? Et qui nettoie l'eau? Qui nettoie l'eau? Veolia, la SOR. Et donc c'est les mêmes. Quelque part, c'est les mêmes. Et donc la boucle est bouclée. Je ne vais pas vous faire l'offense de ceux qui ont des cancers à cause des pesticides, mais j'ai perdu l'agriculteur, le premier agriculteur qui est décédé après avoir eu une reconnaissance de maladie professionnelle en France, était mon copain Yannick, qui était viticulteur en Charente-Maritime. Il dit très bien dans un film de Jean-Paul Jaud qui s'appelle Severn, la voix de nos enfants, les mêmes qui ont été repérés comme ceux qui m'ont empoisonné sont ceux qui, à l'hôpital, fournissent le médicament pour tenter de me guérir. Il en est mort, après 8 ans d'agonie, dans des souffrances terribles. Donc, vous voyez que la boucle est bouclée. Sauf que là, et je disais tout à l'heure, la ligne de partage, c'est l'intérêt commun. À quel moment l'intérêt commun est au rendez-vous? Et c'est là où on a besoin de l'audace et du courage politique. Pour qu'à un moment donné, le ministre de l'Agriculture, qui fait tout de travers, et son successeur, disent « les 10 milliards d'euros de la PAC, on les distribue non plus par unité de surface », qui fait qu'on est dans un véritable cercle vicieux où plus on a d'aide, plus on a de surface, et plus on a de surface, plus on a d'aide, vous avez compris la mécanique que ça met en marche, sans vilain jeu de mots, et ça suffit les gros mots, je t'avais dit, Loïc, qu'on disait pas de gros mots aujourd'hui. Se rendre compte que on peut faire autrement, par exemple en choisissant de distribuer l'argent public sur les unités de travail humain. Et là, on est sur une vraie logique de politique de l'emploi, c'est-à-dire qu'un maraîcher qui a 7 ou 8 hectares et 10 salariés touche beaucoup plus d'aide publique qu'un gros céréalier qui est tout seul sur son gros tracteur sur 500 hectares, par exemple. Et autre volet de la ventilation de la PAC, dire, on rémunère, et là encore une fois c'est de la sémantique, mais j'assume, on rémunère des services rendus sur les biodiversités, sur le climat, sur la santé, plutôt que que l'agriculteur ait l'impression de toucher des aides, ou parfois il a l'impression d'être un assisté, et là on est aussi sur des logiques vertueuses de distribution de l'argent public. Et le courage et l'audace voudraient qu'on aille chercher dans ces politiques publiques curatives, qui sont extrêmement coûteuses, j'ai pris l'exemple de l'eau, mais on peut parler de la biodiversité, on peut parler du climat, on peut parler de la santé, et s'autoriser à dire, on sort de ces logiques curatives, et on prend cet argent public sans augmenter la pression fiscale, pour amplifier les 10 milliards d'euros de la PAC, et augmenter significativement les produits agricoles qui sortent de ces logiques-là. Et là, le discours qui consiste à dire les produits bio sont trop chers, c'est pour les bobos écolos, pour les gros revenus et tout ça, on a réglé le problème. Parce que en vérité, quand on agrège ces coûts externalisés d'une agriculture qui détruit tout, une laitue vous coûte 27 euros. Vous avez bien entendu, 27 euros. Une laitue bio, elle vous coûte définitivement 1 euro. Eh bien moi, je dis modestement que nous n'avons plus les moyens tous ensemble de s'offrir des laitues à 27 euros aujourd'hui. Alors, une autre question, monsieur ? Une
Voilà. Stéphanie, donc femme de Benoît, paysanne, mais aussi réalisatrice de documentaires engagée pour la cause paysanne et écologiste engagée aussi, militante. Tout ça pour vous expliquer qu'en fait, il existe aussi au niveau des citoyens un lobbying qui ne dit pas son nom, enfin une force noire de lobbying qui ne dit pas son nom et qui s'appelle la stratégie d'influence, qu'on peut voir notamment sur les réseaux sociaux et dans les médias. Alors, je vais vous donner des exemples très concrets. Benoît a parlé de son mandat, etc., et quelques mois, enfin qu'on l'a empêché finalement d'être vice-président. Quelques mois avant, et c'est peut-être ça que Loïc, tu voulais parler au tout début de la conférence, sur la puissance des lobbies et leur façon d'être désagréable avec les gens de bonne volonté qui veulent s'occuper d'intérêt des gens, d'intérêt général. Donc les gros lobbies BASF, Bayer, Monsanto, plein d'autres, Avril Sophie Proteol, enfin voilà, des gens comme ça, ils ont énormément de moyens d'argent pour payer aussi des sites internet où ils mentent. Ils font croire que ce sont des paysans, des journalistes et tout ça qui s'occupent de ces sites qui sont à données restreintes. Quand vous cherchez qui sont les propriétaires de ces sites internet, ce sont des données restreintes. Et en général, derrière, ce sont des cabinets marketing dont le travail est de faire la stratégie d'influence, la technique aussi qui s'appelle RP en marketing, donc public relation, et donc à viser écolophobe pour détruire la réputation aussi des gens ou des élus ou des ONG qui travaillent dans l'intérêt commun. Et ces gens-là créent aussi des éléments de langage au niveau de la communication. Et c'est comme ça qu'on insiste aussi à des fausses idées, ou enfin en tout cas des concepts erronés sur le bio est cher, c'est pour les bobos écolos et tout ça. Et ça, ça se répète dans des réunions publiques, ça se répète dans la vie de tous les jours, et c'est du matraquage en fait de propagande avec des éléments de langage. Il y a des gens qui sont payés très cher pour créer tout ça dans l'ombre. Et je vais vous donner par exemple, moi je suis en train d'observer des choses aussi depuis très très longtemps. Ces gens-là, ces lobbyistes, se font parfois inviter en toute bonne foi dans des grands médias. Je pense à RMC, n'est-ce pas, qui avait invité Gilles Rivière-Bergstein pour pas le nommer, et qui se présentait comme auteur de livres et journaliste. Et en fait, ce type-là, il a juste une boîte qui se fait un max de pognon qui s'appelle Amos Prospective. Et on commence à le voir justement sur l'histoire des pesticides et tout ça. On commençait à le voir dans tous les médias, dis donc, il se faisait inviter. Un grand expert justement contre le bio et favorable aux biotechnologies et aux pesticides. Mais il y a lui, mais il y en a d'autres. Voilà. Et dans le livre de Benoît, on en cite quelques-uns pour répondre à la question. Donc nous, on balance. On a pris des risques. Fayard nous a dit, allez-y. Voilà. Et curieusement, ils n'ont pas bougé. Donc, depuis la sortie du bouquin, on les a pas vus. Voilà, donc le cas concret, c'est moi, je suis dans une AMAP et dimanche dernier, je suis allé faire la thermoscopie de mon producteur de poulet. Et j'en suis revenu assez désolé. C'est-à-dire que le gars, il essaie de passer en bio, donc ça lui fait des coûts énormes. Et donc là, il a beaucoup d'interrogations. Et en plus, il a construit un abattoir dans sa ferme. Donc un abattoir qui est super. Enfin, j'y connais rien en abattoir, mais c'est super propre. Il y a une machine, il y a une chambre froide. C'est des gros investissements. Et là, il y a une norme européenne qui l'oblige à mettre un sas. Et donc en fait, son investissement est mort. Et il va falloir qu'en plus de tous les coûts liés au bio, il aille faire abattre ses poulets dans l'abattoir privé de la région. Donc son investissement est mort, et il paraît que dans la région des Lettes, autour du village des Lettes, il y a plein d'abattoirs privés qui vont plus servir à rien. Donc sur ce cas concret, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, deux questions qui se rejoignent. Hein. Comment ça se fait que les défenseurs des intérêts publics soient aussi faibles et aussi peu organisés, et comment on fait pour lutter une fois que les lois et les directives ont été adoptées ? Pour la première question, je pense qu'il y a vraiment une question de moyens aujourd'hui. Parce que là, je pense qu'il faut qu'on parle d'Europe sur ces deux questions.
Aujourd'hui, pour un député européen, vous avez 9 lobbyistes à Bruxelles. Et 9 lobbyistes, des intérêts industriels. Donc ça coûte un bras, voire les deux. Donc en face, les preuves porteurs d'intérêts, comme par exemple, moi, j'ai rencontré les gens du BUC, qui est le bureau des consommateurs au niveau du portage d'intérêts général pour les consommateurs à Bruxelles. On ne peut pas lutter financièrement. Donc, et en plus, souvent, ils ne sont pas enregistrés sur les registres, ils doivent s'enregistrer sur des registres de lobbyistes. Et parfois, ils se cachent aussi derrière des cabinets de conseil, etc., pour ne pas être enregistrés et puis faire leur tambouille en toute opacité. Donc ça, c'est un problème, de moyens, de faire que ces porteurs d'intérêts puissent être entendus. Mais c'est surtout comment on régule aujourd'hui ces lobbyistes qui, eux, ont nos limites en termes de moyens et qui se permettent d'investir à tel point que chaque député européen, quand il se retourne, il a 9 lobbyistes autour de lui. Je pense pas qu'il y ait une division, parce que quand même au niveau européen, les paroles sont portées quand même d'une manière, en tout cas pour, il me semble, pour les consommateurs, d'une manière assez rassemblée. Après, sur le volet agricole, peut-être on pourra en reparler, Benoît pourra être plus précis. Bon, je pense qu'il y a quand même une histoire de moyens. Sur la question, qu'est-ce qu'on fait pour monsieur face à ces normes qui nous sont imposées par des directives européennes. C'est bien la question de est-ce qu'on doit aujourd'hui continuer dans ce cadre des directives européennes qui ne nous permettent pas de faire autrement. Moi, j'ai cette interrogation, c'est qu'aujourd'hui, il me semble que avec Corinne Lepage en parlait avec les bonnes pratiques de laboratoire qui ont été une arme pour éliminer aussi et permettre à ceux qui avaient les moyens de s'inscrire dans ces bonnes pratiques de laboratoire de pouvoir fournir des études qui soient valides. C'est la même chose sur les normes sanitaires. Aujourd'hui, elles sont à un niveau qui est sans cesse plus élevé, soi-disant pour nous produire une alimentation sûre. Alors là, je voudrais revenir sur une arnaque aussi qui est portée par les lobbyistes, qui est l'alimentation sûre versus l'alimentation saine. Moi, ils nous disent, hein, vous n'avez jamais mangé d'une manière aussi sûre. C'est-à-dire que quand vous mangez un yaourt ou une tranche de jambon, vous n'allez pas mourir dans les 3 heures qui suivent de botulisme ou de choses atroces. Non, mais on meurt dans les 10 ans de cancer et de diabète de type 2. Donc, à choisir, au moins, je ne sais pas, enfin, je préférerais qu'il y ait une alimentation saine que seulement sûre. Donc c'est de ça dont il faut parler au niveau européen, c'est qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui en termes de normes, est-ce qu'il faut continuer à obéir, et puis est-ce qu'il faut se laisser enfumer par ces discours de l'alimentation sûre, alors que nous, ce qu'on réclame, c'est une alimentation saine, et même chose pour l'agriculture, puisque tout ça est intimement lié. Donc, je ne sais pas si Benoît, sur les abattoirs, je pense que tu auras une réponse plus complète, mais c'est une vraie problématique, tous les gens qui veulent faire autrement, et sur de l'agriculture paysanne, se heurte à ce problème de l'abattage. Et je pense qu'on ne peut pas non plus éluder la question du bien-être animal qui est intimement lié avec ces questions d'abattage à la ferme et qui aujourd'hui sont en grande difficulté. Benoît Pitot, si vous voulez répondre, et puis je vous demanderai un mot de conclusion aussi pour cette conférence. Alors, sur la première question, la division elle vient du fait que les gens qui relaient les propos des lobbyistes, qui sont des propos simplistes, je vais reprendre l'exemple de l'eau qu'on a évoqué tout à l'heure. La raison pour laquelle des élus sont convaincus qu'il faut stocker de l'eau avec de l'argent public, c'est que les lobbyistes de l'eau nous disent « il pleut beaucoup en hiver, cette eau qui va à la mer est de l'eau perdue », en oubliant qu'il y a des activités en mer, qu'il y a des ressources halieutiques en mer qui ont besoin de cette ressource qui vient des bassins versants. Et donc les élus tombent dans le panneau de ce discours très simpliste, très réducteur, et donc ils disent, bah oui, finalement, une vraie politique de l'eau, ce serait de stocker cette eau qui tombe massivement en hiver dans des réservoirs pour pouvoir les utiliser en été. Sauf que quand on y met un petit peu de démarche scientifique autour, on se rend très vite compte de la supercherie. Mais pour ça, il faut un peu de culture, un peu de travail d'investigation de la part et que c'est tellement confortable de s'installer dans le propos simpliste et réducteur que nous proposent ces lobbies qui ont un intérêt direct à faire du stockage de l'eau. Rapidement, la CACG, compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, c'est d'ailleurs le même sujet que ce qui s'est passé à Sivens. Et la compagnie qui fait l'étude de faisabilité du projet, qui ensuite rédige le cahier des charges des clauses techniques particulières pour lancer l'appel à projet pour que le projet soit réalisé, et ensuite répond à cet appel d'offres pour pouvoir réaliser le projet. Donc cherchez l'erreur, mais vous avez bien compris que le verrouillage, il est de A à Z, et donc là, et c'est eux qui distillent le discours. Et donc les élus
Alors, effectivement, on a parlé d'audace et de courage. Il faut peut-être aussi qu'ils s'investissent un peu plus dans leur mission d'élu plutôt que d'accepter ou de prendre à leur compte des propos sans aller chercher plus loin, tombent dans le panneau de ces propos simplistes et réducteurs. Et c'est ça, la division. C'est-à-dire que, finalement, la division, c'est entre ceux qui bossent et qui apportent vraiment des réponses objectives et ceux qui se laissent porter... gentiment par les propos et puis quelquefois quelques émoluments, quelques avantages de voyage ici ou là, voilà. Donc ça, c'est aussi des pratiques, voilà. Donc la réponse elle est quand même pas si simple que ça, et malheureusement on fait le constat des limites de notre démocratie quand on assiste à des choses comme ça. Sur la deuxième question, effectivement, les directives européennes, moi je transforme à la ferme aussi, hein. On m'impose, pour transformer le fromage d'une trentaine de chèvres, les mêmes normes sanitaires que si j'étais un industriel comme Lactalis. Donc vous, et on, d'ailleurs, dont on voit le résultat, Loïc me dit dans l'oreille, dont on voit le résultat d'ailleurs, mais il n'a pas tort. Mais c'est complètement délirant, ils sont dans cette logique binaire 0-1, c'est-à-dire c'est... Ce qui ne peut pas être appliqué à des logiques paysannes et fermières. C'est-à-dire que moi, si j'ai une chèvre qui a une mamite, par exemple, et qui vient polluer, entre guillemets, la totalité de la traite avant de faire du fromage de chèvre, parce que je ne suis pas dans un concept de transformation industrielle, justement, parce que je ne passe même pas par la réfrigération, c'est-à-dire que les chèvres, elles sont très... Et dans l'heure qui suit, le lait est transformé en fromage, donc on passe même pas par la case réfrigération. Si j'ai une mamite sur une chèvre qui a pollué ma traite, je ne peux pas faire de fromage, c'est-à-dire que la nature empêche tout simplement que le lait devienne fromage. Et donc ces normes qu'on impose, comme si on était des industriels, ces normes sanitaires sont juste complètement délirantes. Et tout ça parce que des industriels, quand arrive un litre de lait, il a été d'abord réfrigéré, ensuite séparé, matière grasse, enfin, on fait avec un litre de lait, je ne sais pas combien de produits dérivés, et que effectivement dans ces concepts dans ces process de transformation industrielle, on a des risques effectivement de contamination, essentiellement par de la bactério. Et donc on impose à tout le monde la même chose. Alors effectivement, les normes européennes sont un peu hors sol et déconnectées de cette subtilité qu'il peut y avoir, et c'est pas que des subtilités d'ailleurs, entre l'industriel et le fermier, et nous imposent exactement les mêmes normes. Après, là on est sur un cas particulier de l'agroalimentaire, après il y a des directives européennes dont je me félicite tous les jours qu'elles existent, et je reviens sur l'eau. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu la directive cadre européenne sur l'eau, déclinée en droit français dans la loi sur l'eau, le scandale des retenues de substitution, il y a longtemps qu'il serait déjà arrivé sur le territoire de Poitou-Charentes. Heureusement qu'on a une directive cadre sur l'eau qui nous a permis de bloquer les projets délirants de ces gens-là. Heureusement qu'on a des directives cadres sur l'environnement comme Natura 2000. Heureusement qu'on a des directives cadres filles de la directive cadre sur l'eau comme la directive nitrate, qui limite un petit peu l'utilisation des engrais de synthèse, qui fait qu'on a des algues vertes en Bretagne, ou au large de l'île de Léron, ou au large de l'île de Ré. Donc, c'est, encore une fois, effectivement, il y a des incohérences à Bruxelles sur lesquelles il faut qu'on bosse, et je vous ai donné l'exemple sur le problème sanitaire, et ce qui nous empêche, pour revenir à l'abattage, aujourd'hui de développer des projets d'abattage à la ferme, c'est ces directives européennes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par ces directives européennes, on ne peut pas avancer sur l'abattage à la ferme. Je termine. Alors que c'est probablement la solution aux problèmes qui sont levés par des vidéos que vous connaissez tous sur la bataille. Donc voilà, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi manichéen qu'on peut le dire. Voilà, donc un mot de conclusion, ben, quand on est élu, je redis ce que je vous ai dit tout à l'heure, on ne doit être animé que pour servir l'intérêt commun. Et à partir de là, ça évite effectivement de donner de la place et de donner du poids aux lobbies qui sont là, eux, pour servir des intérêts privés et des intérêts individuels. Un tout petit mot de conclusion. Oui. Juste en deux mots, remercier HLG pour cette invitation. Je ne veux pas redire ce que vient de dire Benoît sur l'intérêt général qui doit nous animer. Il y a aussi quelque chose, moi, qui je pense aujourd'hui doit nous animer, nous anime tous les deux, j'en suis sûr.
on se connaît maintenant assez pour le savoir, c'est que on est aujourd'hui dans une impasse. Ce modèle qui nous est proposé, un modèle agricole ou un modèle de production alimentaire, il est dans une impasse. Donc, par fainéantise ou par incompétence intellectuelle, je ne sais pas, par fainéantise intellectuelle ou je ne sais quel autre manquement, les gens se refusent de penser autrement. Nous, notre devoir, c'est de penser et de repenser ce modèle-là pour inventer un autre modèle qui nous permette de vivre mieux, ensemble, sur des territoires, avec une agriculture qui retrouve sa place, avec une protection de l'environnement qui doit être l'enjeu principal et la colonne vertébrale de toutes les politiques publiques, et qui nous permettent de retrouver vraiment aussi du lien social et puis une façon de bien vivre ensemble. Merci à vous deux. On n'a pas fait le tour de la question, mais l'idée c'était de vous donner des pistes de réflexion en tout cas. Vous pouvez passer aux travaux pratiques juste l'étage en dessous dans les allées de Lujama. Donc merci à Euskal Herriko Laborantza Ganbara. Vous avez un film maintenant qui va vous être diffusé qui s'appelle Les petits gars de la campagne, je crois, c'est ça ? Voilà. Et voilà, il reste encore une journée de Lujama. Merci beaucoup, bonne soirée. Gabon Daneri. Yeah.